ce texte sur l'homologation des véhicules, qui paraît comme ça un peu technique, en réalité, il touche au cœur de tout ce que les écologistes portent dans le cadre des activités au Parlement européen. Pourquoi ? Parce que, un, ça touche aux liens, aux intérêts privés des constructeurs et des États par rapport à l'intérêt général. Donc, question intérêt privé, intérêt public. Deuxième point, c'est celui des émissions de particules par les moteurs diesel qui sont frauduleuses sur les annonces qu'elles font. Et donc, on touche là à une question de santé publique. Ensuite, ça touche aux émissions de CO2. Donc, ça touche à la question du climat. Et ça touche enfin à l'indépendance des États et donc au contrôle que l'Europe peut faire sur ses homologations de véhicules. Voilà, donc c'est ces quatre points qui sont au cœur de ce texte sur l'homologation des véhicules. Et nous avons réussi, après des mois et des mois de discussions et de combats, nous avons réussi à faire en sorte que l'on coupe le lien ombilical entre les constructeurs et les autorités nationales d'homologation. C'est une avancée majeure.